Yeah! On en y est arrivé. On m'a y est arrivé. Nicole, Joseph avait vu juste. Donc Joseph, on suppose le décès pour l'instant. Vu qu'il s'est pris une balle et qu'on n'a pas pu l'aider. Kim, là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle, on sait pas trop où elle est. On l'a vu partir devant, on suppose qu'elle est vivante et qu'elle a juste de l'avance sur nous. Leslie, on vient de le voir, on se balade un peu comme il veut. Ouais, t'inquiète, je pille toujours. On suit notre pote là, hein. Pas de surprise. Dommage pour le shotgun, j'ai rien. Je le savais. Bah oui. C'est un bon livre au moins. On ne le saura pas. Je suppose qu'il faut aller là-bas. Peut-être plutôt là derrière dans la réception vu que c'est là que ça a commencé. Est-ce qu'on aura le droit à des infirmières creepy? C'est ça la véritable question. Les infirmières creepy, c'est quand même un grand truc connu dans les jeux d'horreur. Alors... Ok, c'était pas par là. Donc c'est bien derrière. Hein. Par ici. Là où tout a commencé. Hé hé. Ah, on peut rien faire devant là. Donc ce n'est pas là où tout a commencé, mais un peu plus loin, derrière. On a plein de soins, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'on va se manger? Est-ce qu'on va se manger tous les boss d'un coup? Ce serait drôle, je pense qu'il y aurait beaucoup de friendly fire entre eux, mais... Fire. Avec la malédiction noire des cheveux, là. Une espèce de Laura, ça s'appelle Laura. Je sais plus, je crois que c'est dit dans le jeu, mais en plus quand on gagne les cartes Steam, c'est son nom qui est... C'est juste Laura en fait, mais comme ça. On se balade, c'est cool. Je vais la fermer histoire de garder l'ambiance. Toujours cette tournure d'échelle qui est magnifique. Hop, hop. Rage, extase.
par des étincelles, comme des étoiles brillantes. La douleur, le bruit, les lumières se confondent, prennent forme. C'est l'endroit où je vis le mieux. Ma prison, chez moi. Tu l'avais bien cherché. Ils ont dû m'injecter l'un de mes propres sédatifs. J'étais conscient de chaque entaille. Ah, c'est ce qu'il vient de dire en fait. Chaque nerf sectionné. Chaque morceau de chair arraché à mes os. Jusqu'à ce que les ténèbres absolues s'emparent de moi. Ténèbres et douleurs. Des milliers d'autres sensations. Dans ce qu'ils sont dans mon cortex. Étudié. Plus tard. Éternité, intensité. Douleur. Plaisir. Rage, extase, mêlée en un seul et unique son perçant, jusqu'à ce que les ténèbres soient rompues par des étincelles, comme des étoiles brillantes. La douleur. Ok. Ah. Une piscine de sang. On peut descendre là-dedans en plus. Pourquoi je descendrais? Je sais pas, mais. Ah bah voilà pourquoi je descendrais. 1000. Donc les gens cinglés ont des récompenses, hein, c'est bien. Allez, go! Toc toc. Pas de méchant. J'ai l'impression qu'on est déjà passé ici, hein. Ouais, je crois qu'on est déjà venu ici. C'était le premier niveau d'ailleurs. On fuyait le mec à la tronçonneuse, hein. On a fini par exploser d'ailleurs. Hey. Quoi? Et oui, effectivement, j'ai eu. Ah, on peut juste le taper, c'est bien ça. Je lui disais, comment tu fais si t'as pas de pistolet pour avancer? T'es bloqué, t'es juste là, quoi, en fait. Ah, ce symbole! Qu'on ne connaît pas. Carrément coffre-fort là. Espèce de machine, hein, d'accord. Leslie? Je peux pas rester là-bas. Non! Waouh! C'est frais! Je sais ce que c'est que cet engin. Cet escalier aussi me dit quelque chose. Bah non, c'est l'escalier qu'on s'était mangé au début, mais il était pas rond. Alors, quelle porte? Là, on a une porte qui mène à un endroit, et on a une autre porte qui mène à un autre endroit, je pense. On va prendre la première, hein. Je pense que là, c'est l'ascenseur de la suite.
ça doit être du bonus. Yes. Quand je me suis rendu compte que Jiménez m'avait trahi, il était trop tard. Si près du but. Il le savait. Il savait que j'étais trop concentré pour remarquer les hommes qui l'accompagnaient. Autrement, il n'aurait jamais échappé à mes pièges. Leur machine n'est qu'une pâle copie de la mienne. La machine que j'aurais dû créer. Mes données, mon équipement, mes théories, mon esprit. Ils ont remplacé mon corps meurtri par une nouvelle dimension de tourment. Ok. Ok, c'est le dénouement complet de l'histoire. Faut pas déconner. Ok, on arrive en haut. Je crois que c'est en haut. Je sais pas. Est-ce qu'on est vraiment en haut? Non, en fait, l'aiguille déconne. Ok, très bien. On s'en fout. Allez. L'ascenseur est fermé. Et les Méniens? Leslie? N'empêche le gars, il s'est promené comme ça tranquille dans tout le jeu. Promis, je suis pas long. Je reviens juste sur les trucs à piller. Ah bah voilà, voilà. Il y a toujours des trucs à piller. Un petit tour rapide. Sauvegarde, hein. Et surtout, récupérer un petit... Oh, bah... On peut plus aller à l'asile parce qu'en fait, on est déjà à l'asile. Genre, on n'est plus dans la déliritude profonde. Dommage. Enfin, dommage, non, c'est bien. Je suis content. La rolling joke du jeu, ça je crois. Voilà, terminé. Sauvegarde. Let's go. Let's do this. Là, non, on ne peut pas. Et là, du coup. C'est qui lui au final hein? Faites attention à son œil. Quoi? Évitez l'œil de Runic. Si vous voulez vivre, faites attention à son œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez bien.
Il est mort. Le pauvre. Qu'il repose en paix. Ici, c'est impossible. Ok, fais gaffe à l'œil de relique. Allez, je vous le dis. Plus de choix. Ah oui, ce qu'on a vu sur la vidéo au début. Ok. Wow. Seriously. Ça à la place de ça. Okay. Merde. Oh, merci, dieu du shotgun. Dieu du shotgun, merci. Wow. L'appel. Non. Pas de peine. Oh non, putain, la relouitude.
Non. Meurs pas. Quoi? Ah ouais, ça me tue de toute façon, quoi. Les grenades vont être sympas.